Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et ouais, pas de bourrée, mambo. Allez, droite de droite, gauche de gauche, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Bah oui, encore des pas et toujours des pas. Du rap? Oh non, 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 juste on mouline, on mouline. Voilà, là, 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 je parle du chinois. Ouais, effectivement, c'est mon chinois à moi et pour une meilleure compréhension, pour mieux me comprendre, mieux adopter les pas qui correspondent. Alors, le pas de. Ouais. Allez, on commence. Le pas de bourrée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Ouais? Allez, c'est parti. Donc là, pas de bourrée, c'est quoi? Donc là, jambe gauche passe par devant côté. Et là, la jambe gauche va aller derrière côté. Croise. Passe par devant, côté, croise, devant, décroise, derrière, croise et recroise. Alors ça, c'est pas très souvent. C'est vrai que c'est un pas un peu moins difficile à... Pour le coup, le pas de bourrée, c'est pas si... Voilà, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a compris. Bon alors, il y a des variantes au pas de bourrée. Donc là, avec un saut en arrière, passe devant, marche, légère impulsion. C'est souvent l'impulsion qui va le pas en arrière. Pas en arrière, impulsion, côté, arrière. Arrière saute, croise, décroise. Arrière saute, croise, décroise. Arrière saute. Croise, décroise, arrière, saute, croise, décroise. Évidemment, on peut accélérer. Donc là, on, voilà. On recommence. Bon, allez. Donc là, droite. Alors, non, ça c'est gauche pour vous. Donc là, droite et arrière. Comme un robot pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça marche par rapport au pas de bourrée, par rapport aux explications. Saute arrière, pose devant, côté. Saute arrière gauche, saute arrière droit, saute arrière gauche, saute arrière droit. J'espère que voilà, vous allez bien comprendre pour le coup en quoi ça consiste. C'est pour ça qu'on peut accélérer. Après, à vous de choisir la vitesse où vous voulez l'adapter, l'impulsion ou pas. Vous n'êtes pas obligé de faire l'impulsion, vous faites simplement à croiser et moi, ça marche. Oh. Le droite de droite, gauche de gauche. Droite de droite, c'est un pas chassé. Ouais, souvent je le dis, droite de droite, gauche de gauche, quatre reculs ou deux reculs. Donc c'est simplement un pas chassé, c'est un pas qui chasse l'autre. Donc ça peut être sur les côtés, le pas chassé, mais généralement quand je dis un droite de droite, gauche de gauche, c'est souvent un droite de droite et gauche de gauche. Pour comprendre le pas chassé déjà, avant de pouvoir comprendre le droite de droite et gauche de gauche, c'est un pas qui chasse l'autre. C'est quoi un pas qui chasse l'autre? Donc là, je vais commencer vers la droite, évidemment. Donc là. Droite chasse l'autre et gauche chasse droite. Tout simplement ça, tout, généralement les gens l'ont. Ben voilà, c'est pas si difficile que ça. Donc le droite de droite, droite et le gauche de gauche. Donc c'est pour ça que ça fait un pas chassé à droite et un pas chassé à gauche. Donc là, droite de droite, gauche de gauche. Et généralement, c'est souvent
Il y en a 4, il y en a 3, il y en a 2. Souvent, je le dis, donc là, droite de droite, gauche de gauche et recule. Droite de droite, gauche de gauche et recule. Donc simplement, le pas chasse, donc le pas chasse à droite et le pas chasse à gauche. Donc, quand on dit le pas chasse à droite et le pas chasse à gauche, le pas avance à droite. Le talon, enfin pas le talon, mais une sensation de talon. Donc là, c'est simplement hop. Il y a une impulsion qui se crée comme si je faisais un saut. Voilà, simplement. C'est un pas chassé exagéré, on va dire, ce pas-là. On l'a vu en cours. C'est un peu un pas chassé aussi. Mais là, c'est pour une meilleure compréhension de savoir ce que c'est qu'un droite de droite et gauche de gauche, un pas chassé à droite et un pas chassé à gauche. Donc là, pas chasse l'autre. Là, j'ai chassé à droite et je vais chasser à gauche. Donc, j'avance la gauche et je passe à gauche. Presque un cloche-pied, hop, qui s'en va sur le pied inverse. Attention, je recommence. Droite. Gauche. Mais ça va, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, hop, et 4 recules. Ça, c'est pas si difficile, on va dire, que ça. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Alors, le mambo. Mambo, c'est pareil, c'est pas le pas le plus compliqué non plus en soi à chercher à trouver. Donc, mambo. Donc là, droite avance et gauche recule. Droite, reviens et gauche. Il y a différentes façons de voir le mambo ou baby mambo. Alors, baby, c'est juste la droite et qui revient. Et il n'y a pas la gauche. Donc ça, c'est en baby. C'est la moitié, en fin de compte. C'est pour ça qu'on l'appelle baby mambo. C'est parce que c'est la moitié du pas. Donc, hop. Là, c'est le mambo complet. Et juste le baby revient, avance, revient. Simplement. J'espère que c'est compréhensible. Donc là, c'est juste un mambo. Donc là, hop, avance. Essaye de donner une impulsion avec tes hanches. Forcément, toujours les genoux fléchis. C'est ce que j'explique dans mes dernières vidéos. Donc là, pour le coup, les genoux sont fléchis pour pouvoir travailler du bassin. Ça travaille les cuisses, ça travaille les mollets. Comment ça se fait? Elle est toujours sur la pointe de pied? Eh ben oui. Donc pour le coup, renforcement musculaire multiplié par 2. Oh là, elle a tapé 2 fois. Ouais. Donc là, pour le coup, alors, on va aller chercher un peu plus loin dans le mambo. Dans le mambo, ça peut être aussi avec des variantes de quart de pas ou de huitième de pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à droite simplement un baby mambo classique, donc la moitié d'un mambo. Et de l'autre côté, on va faire... Quand on va avoir ce mouvement-là, on va avoir fait talon, pointe, tap, tap. Je recommence. Talon, pointe, tap, tap. Donc ça, ce sera à gauche. Ok ? Talon, pointe, tap, tap, talon, pointe. Talon, pointe, tap, tap. Tap, tap avec la pointe de pied. Talon, pointe, en arrière, tap, tap. Talon, pointe, tap, tap. Talon, talon. Parce que si je tape, si je dis talon et que je mets... Non, non, vous inquiétez pas, là j'ai fait une boulette. Talon, pointe, tap, tap. Talon, pointe. C'est ça que ça donne au final. Donc là, le mambo, le baby mambo peut être soit en talon ou soit en pointe. Donc là, ça peut être pointe, talon, talon, pointe. Donc là, toujours, talon, pointe, tap, tap.
On essaye au fur et à mesure de l'accepter, de l'accélérer. C'est à vous de voir comment vous voulez adapter votre mambo. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Même chose de l'autre côté. On peut être en baby mambo à gauche, mais j'ai commencé par la droite. Je commence toujours par la droite pour que vous ayez une meilleure compréhension, une meilleure facilité à comprendre et accessibilité toujours par la droite. Donc là, on commence à gauche, baby mambo à gauche, donc simplement baby mambo, on restera en baby mambo. Et à droite, c'est là où on va articuler tous les pas. Donc talon, pointe, tap tap. 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 Ça va? Donc là, ça donne baby mambo, talon, pointe, tap tap. Baby mambo, talon, pointe, tap tap. Ça va? Ouais. Donc au fur et à mesure du temps, on accepte. Une fois qu'on a accédé au pas, au fur et à mesure, plus on essaye, plus on y arrive. Et c'est une question d'automatisme. Plus vous pratiquez, plus vous le faites, plus vous y arrivez. Donc, au fur et à mesure du temps, on remet un pas en arrière, un pas en avant, on remet à zéro ou pas. Pas de souci là-dessus. Donc là, voilà pour le mambo. Alors, on a fait... Il y a aussi, généralement, le pas arrière. Donc, pas arrière... Donc c'est un dégagé, comme un dégagé arrière, mais généralement, on va le croiser et revenir en place. Croiser et revenir en place. Ça, c'est simplement un pas arrière. Ce qu'il faut, c'est savoir se grandir un maximum pour avoir une meilleure prestance, une meilleure allure, on va dire. Parce que pour le coup, on essaye d'être assez gracieuse. Donc là, pour le coup, si on est un petit peu trop en avant, c'est moins joli que si on place bien les épaules en arrière. Et là, hop là, les mains à hauteur d'épaule. Toujours sur la pointe de pied. Et va aller chercher un peu plus loin en arrière avec les épaules. Ce qui donne, on contracte les fessiers. Donc là, il n'est pas trop compliqué, mais c'est des petits trucs et astuces pour pouvoir évoluer et avancer au fur et à mesure dans les chorégraphies. C'est vrai que c'est pas toujours aisé d'avoir tout du premier coup. C'est pour ça que je mets des vidéos qui sont pas trop longues non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être, on y va selon soi, ce que l'on veut travailler, parce qu'on n'est pas obligé de se taper non plus toute la grande vidéo. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs qui correspondent vraiment à ce qu'on a envie de voir. Ok, ça marche. Donc là, il y a aussi l'effet cabri. Donc tout simplement, hop là, je donne une impulsion en avant, hop là. Donc là, cabri, donc pour le coup, c'est simplement comme si je voulais sauter par-dessus un truc. Donc là, je saute par-dessus la rivière. Hop, la rivière, le ruisseau. Ouais, voilà. Et simplement, on essaye de passer sous la barre. Donc, mettons qu'il y a une branche, il y a un petit ruisseau, vous ne voulez pas vous mouiller les pieds. Hop là, et on se redresse parce qu'on veut passer sous la branche en forêt. Non ? Allez, c'est cette... le cabri, c'est un peu ça. Donc là, hop là. Non, vas-y. Hop là. C'est difficile de le faire lentement. Il faut l'impulsion en même temps. Donc là. Ah non, j'ai loupé, désolé. Ah oui, voilà, là c'est mieux. Redresse derrière.
C'est mieux, ça y est. J'espère que vous arrivez à me comprendre. En tout cas, j'espère que voilà, c'est pas trop, c'est pas trop chaotique. Voilà pour le cabri. Mais celui-là, j'ai dû le faire sur deux chorégraphies grand max. Donc voilà, c'est pas très très régulier comme pas. Hein. Mais généralement, il s'explique super bien sur place. C'est plus ouais, le phénomène de rap. Ça aussi, ça a posé problème le rap. Donc, alors moi j'appelle ça la moulinette. Comme ça passe beaucoup mieux. Je vais vous dire que vous allez rapper, vous n'allez pas y arriver. La moulinette, ça passe beaucoup mieux parce que tout simplement, on se fait toute une montagne alors que pas du tout. C'est juste un phénomène de marche. Donc, vous savez marcher? Oui. Quelle question. Alors, là, pour le coup, la marche. Tout simplement, on a vu ce que c'était. C'est je pose un pied, je soulève l'autre. Tout simplement. J'alterne droite et gauche. Vous me suivez toujours. Mais je ralentis le mouvement pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train d'expliquer. Donc là, pour le coup, je pose un pied, je soulève l'autre. Et là, je vais effectuer avec ma jambe qui est au sol un petit saut en arrière. Mais tout petit, hein, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et là, je pose le pied droit, je soulève le pied gauche, petit saut arrière. C'est pas si, voilà, c'est pas plus compliqué. Vous pouvez en faire plusieurs, du coup, ça donne vraiment l'impression. Ou un seul. Vraiment l'impression de rater. Et... Donc là, pour le coup, voilà comment... C'est pas plus difficile que ça. Une fois qu'on a compris, c'est vraiment... c'est hyper simple. Mais il faut pas mettre non plus l'échelle trop haute pour se dire, bah, je vais pas y arriver. Moi, j'essaye de la mettre à la hauteur d'un public normal et pas un public hyper voilà il y a des gens qui sont super doués qu'on fait des années de danse. Moi je fais un public où pour le coup c'est la normalité des gens hein. Il y a très très peu de gens qui savent super bien danser donc par rapport à voilà par rapport à tout le monde qui aimerait bien apprendre donc c'est un peu visé là-dessus. Donc c'est pour ça que je cherche des choses qui sont beaucoup plus simples et plus faciles à travailler. Donc là pour le coup, c'est pour ça que si je vous ai dit dès le départ, je fais la moulinette, c'est pour mieux comprendre que pour le coup, c'est pas un truc super évolué, c'est juste un pas de base qui est classique à mon niveau. Voilà, je suis pas non plus à un niveau exceptionnel, mais voilà, c'est quand même les trucs où c'est plutôt sympathique de savoir faire. Ça marche. Ben, je crois qu'on va finir par le dernier pas. Le dernier pas, c'est mambo côté. Donc on a vu le mambo devant, derrière. C'est pour ça que j'ai voulu volontairement le mettre plutôt à la fin, ce pas-là. Mambo côté, comment c'est pour pas mélanger l'autre. Qui est mambo arrière et avant, c'est deux choses différentes. Donc là, c'est un dégagé côté. Alors, tout simplement, mambo côté, hop, ça c'est un dégagé, tout simplement. Si on veut allier le dégagé côté, donc on va y, avec un mambo, donc on va déplacer le poids de corps. Là, pour le coup, le dégagé côté, je reste en place, et là, je vais déplacer tout mon corps sur le côté. Donc là, en place. Donc là, je déplace bien le poids de corps et reviens en place. Voilà. On voit bien que pour le coup, tout le poids de corps se déplace par rapport à ma petite enceinte qui est en haut. Voilà, on voit bien que là, je suis bien au-dessus. Là, c'est un dégagé. Mon corps ne bouge pas. Et là, on voit bien que je déplace mon corps à droite et à gauche. Et je vais y mettre une pointe de pied. Voilà, tout simplement. Alors forcément, si j'y mets l'impulsion avec les hanches
et genou fléchi, c'est ce que j'avais montré dans les autres vidéos. On peut être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus, ouais, malléable et beaucoup plus souple et beaucoup plus joli à voir et beaucoup plus joli à regarder. Alors, il y a ça et il y a aussi bras opposés à la jambe. Donc souvent aussi, ce que je fais, c'est souvent un bras. Donc pensez à la jambe qui est opposée au bras. Hop, avance, reviens. Bras opposé à la jambe, avance, reviens. Bras opposé, reviens. Bras opposé, reviens. Bras opposé, reviens. C'est un moyen mnémotechnique pour mieux comprendre. Voilà. Très bien. Hop. Donc là, pareil, on joue avec les hanches. Très bien. Ok. C'est pour ça qu'avec un membre au côté, on peut aller chercher l'opposé en même temps. On va chercher l'opposé de là où on va. Est-ce que vous me suivez? Donc là, pour le coup, le poids de corps, le bras du même côté, sauf que je vais chercher côté droite. Donc là, hop, et reviens en place. C'est pour ça que je me parlais du mouvement opposé. Donc ça peut être, trouvez votre mouvement opposé, pensez à ralentir pour essayer de décortiquer le mouvement pour pouvoir avoir le meilleur, la meilleure chose qui puisse aller. Donc là, pour le coup, hop, voilà, très bien. Ok, cela on l'a déjà dans l'échauffement. Un autre pas de base aussi, et ça je pense que là on arrive au dernier, donc c'est, on prend un membre au côté, donc là on fléchit un peu les jambes, membre au côté, et là on va croiser devant, croise. La jambe droite va chercher côté droit, va repasser par devant, côté gauche par devant. Côté droite par devant, côté gauche par devant. Hop là, ça va être droite croise devant, gauche croise devant, droite et croise, gauche et croise, droite et croise, gauche et croise. Bon allez, sur ce coup-là, elle dure peut-être un petit poil trop longtemps, mais du coup, ça aide. Pensez à avancer, revenir et quoi que ce soit. Pensez à prendre aussi le temps de minute où vous avez des difficultés. Donc par exemple, je ne sais pas, c'est sur le pas arrière, vous comptez le temps de minute qui correspond. Et là, pour le coup, vous voyez, ah ouais, celui-là, il a 2 minutes 30. Ok, je vais le retravailler demain. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'avoir, je suis trop fatiguée. C'est possible, on a une mauvaise compréhension quand on est trop fatigué. Donc pensez à vous reposer et le retravailler le lendemain. Des fois, ça passe à l'aise-blesse. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Des bisous.